Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Channel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, je vous dis là, nous prenons direction directement dans la Russie, côté que nous connaissons que dans le moment ça n'a pas parlé là, eh bien, le monde est inquiet. Société est inquiet, nous connaissons que nous vivons dans un moment côté que c'est l'argent qui a mené, c'est le pouvoir qui a dirigé. Donc, on essaie de comprendre. Eh bien, nous connaissons que les États-Unis, eux-mêmes, ils ont un conflit avec la Russie. Conflit ça, c'est contre qui est-ce qui va le développer plus gros armes, c'est contre qui est-ce qui va le développer c'est des plus gros armes nucléaires. Et bien, dans le moment où on a parlé là, en Russie, dans le Grand Nord, et bien, il y a un paquet de chercheurs, un paquet d'experts, bagage ça arrive au courant de la semaine. Il fait un pile bruit, Donald Trump fâché comme un con. Qui s'est arrivé? Et bien, dans un laboratoire, il y a plusieurs experts qui ont fait des tests nucléaires. T'assemblé gon accident qui passé accident en passé côté que eh bien gain une grosse explosion qui fait gain à peu près plus de 5 monde qui mourir. Nous dit 5 mais on connaît que télévision russe là et même beaucoup de pas il caché ça et t'assemblé t'a gain plus monde qui mourir encore. Donc bagarre là extrêmement grave. La, les États-Unis a posé cette question, mais si la Russie réussit font test nucléaire et gain 5 monde qui mourir, eh bien qui ça capable de passer avec le monde? Est-ce que Vladimir Poutine commence à perdre tête lui ou pas? Ça c'est Donald Trump qui a tweeté comme nous connaissons comme d'habitude tout ça qu'il a fait. Eh bien, objectif c'est tweeter pour dire Donald Trump a dit ça déclaration que gouvernement russien fait hein, il dit que c'était un accident, c'est pas des armes qui t'a développé vraiment. Eh bien, les États-Unis beaucoup de parle FBI CIA, yo quand on voit une note, on dit yo pas quoi version la Russie parce que il y a plus que 5 monde qui mourir dans laboratoire et c'est ça qui arrive là dans moment ça et yo faut connait que eh bien zone radioactif là, il était très élevé. Nous connaissons pour parler des tests nucléaires, eh bien tout ça qui a rapport à environnement, son bagage qui grave pour tout monde, son bagage qui grave pour toute population. Donc, il y a 5 personnes qui mourent, mais c'est sûr et certain, d'après l'expérience, c'est rien plus. T'es rien plus, ça c'est clair. Donc, nous comprenons bien que ça arrivait pendant que nous ne connaissons pas l'élection aux États-Unis. Nous connaissons qui rôle la Russie a joué dans la dernière élection. Je veux dire là, l'administration Trump, ils ont paniqué, ils ont inquiet, ils ont posé cette question, mais qu'est-ce qui a passé avec l'administration russe là? Donc, Kounia là, ça c'est première étape. Mais deuxième étape qui arrive, nous connaissons que il y a un gros conflit, au point de vue industriel entre la Chine et les États-Unis. Deuxième conflit ça lui-même, ça encore plus grave encore, côté que eh bien la Chine lui-même lui voulait prendre possession officielle de première place là. Nous tout connaissons que tout le monde dit son question d'heure, son question de jour pour que la Chine prenne position des places leader que l'idouéen. Eh bien, la Chine frappait les États-Unis. La Chine frappait l'administration de Trump. Dans quel sens? Parce que nous connaissons que la Chine, beaucoup de parle, elle toujours à exporter tout bagaille dans tout petit pays. La Chine, c'est un premier pays qui a exporté un paquet de bagaille, jouets, manger, toutes sortes où t'as besoin, eh bien, c'est avec la Chine. La Chine offre une main d'œuvre qui est beaucoup moins élevée que tout pays. Et bien, c'est là le conflit a commencé avec les États-Unis, où il y a un président qui a coûté chop, où il n'a pas aimé, mais ils sont présidents qui sont très protecteur, côté que lui-même n'a pas accepté pour ingérence la Chine, n'a pas accepté les gens que les Chinois ont apporté dans le pays, il n'a pas accepté les gens que la Chine a passé en bas pour ne pas payer taxes. Donc, Trump lui-même qui s'est fait, il a décidé d'augmenter les taxes vers la Chine. Évidemment, le président chinois lui-même n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour que lui-même qui est un futur et grande puissance, pour qu'il prenne les sons de l'administration de Trump. Et nous comprenons bien qui regarde que le monde gagne envers Trump dans le monde. Il n'y a pas de monde qui respecte le président. Ça, comparé à respect que vous avez gagné pour un monde comme Barack Obama. Eh bien, je dis là, nous venons retrouver nous avec une administration Trump qui en faiblesse. Nous venons retrouver nous avec une administration Trump qui vraiment a mal passé. La mal passé côté que, eh bien, la Chine décide lui-même à plus loin. Qui ça le fait? Eh bien, nous connaissons que les États-Unis ont une grosse dette envers la Chine. La Chine, dans tout pays aux États-Unis, ils doivent en pile corps à la Chine. Eh bien, qui ça fait? Eh bien, Chinois eux-mêmes, ils disent que comme ou besoin
comme les États-Unis, nous-mêmes, nous besoin mettre gros taxes sur nous-mêmes, sur la Chine, eh bien, ils ont décidé, président Chine, ils ont décidé rentrer, dire un mot dans les affaires campagne électorale qui va passer là pour 2021. Eh bien, ça, c'est le dernier goutte qui presque assassiné Trump. Dans quel sens? Nous connaissons qu'aux États-Unis, eh bien, la Chine toujours a supporté l'agriculture. La Chine toujours a supporté manger qui gagne dans les États-Unis. Eh bien, dans l'agriculture, eh bien, Chine a déclaré que cette fois-ci, il n'a pas fait aucune commande qui sortit aux États-Unis. Nous rappelons, nous comptons qui va les populations chinoises, nous voyons qui va les gens qui gagnent. Ça veut dire que les commandes qu'a fait, c'est à coût de milliards. Donc, si je dis à la Chine décide de ne pas faire affaire avec les États-Unis, il prend commande ça en Inde, il prend commande ça dans l'autre pays, en Brésil, ou peut-être en Russie, mais Russie, je ne sais pas quoi, mais je peux pas. Et bah, la Chine, ça a besoin au point de vue alimentaire. Mais l'essentiel, c'est que. L'essentiel, c'est que. Comment Dieu te compte faire envers les États-Unis? Eh bien, ils mettent ça en stand-by. Ils ont gelé pour le moment. Les comme ça, ça vient faire que l'économie des États-Unis, eh bien, de temps en temps, la joue comme un ping-pong, les monter, les baisser. Actuellement, à cause des commandes, ça y est, les États-Unis viennent retrouver en rouge. L'administration Trump vient retrouver en rouge pour moi ça parce que vient pas gagner offre d'emploi, vient pas gagner augmentation d'emploi. Qu'on y a là, ou qu'on est américain eux-mêmes, quand il s'agit de travail, ou quand il s'agit d'emploi, ou qu'a perdu, quand il s'agit pas gagner commande, eh bien c'est sûr certain. Lorsqu'on gros compagnie comme McDonald's, Burger King, et eux-mêmes, faut qu'ils achètent patates, faut qu'ils achètent frites. Faut qu'il achète sel pour mettre dans manger, faut gagne viande, faut gagne bœuf. Vous comprenez? Les comme ça, yo viennent pas jeune commande ça, ça vient tout non gros coup dur pour les États-Unis, pour l'administration Trump là. Et bien un moment ça n'a pas parlé là, c'est rencontre secrète qui a fait, c'est rencontre de haut niveau qui apprend là pour qu'on ait qui solution capable sortir par rapport à ingérence la Chine dans affaire élection et Donald Trump là. C'est sûr c'était bagaille pas belle. Et moi te dis non, c'est sûr c'était bagaille pour aller pire. Est-ce que Trump a passé, est-ce qu'il va passer? Parce que et ces moments Jean qui me dit nous-mêmes Haïti, nous-mêmes haïtiens, si nous avons des demandes pour nous faire, c'est moment pour nous faire, c'est demandes, c'est moment pour nous-mêmes qui aux États-Unis, qui dans Miami, eh bien par rapport à Trump, par rapport à Haïtien, par rapport à Jean et Emilie Haïtien, c'est moment pour nous taper, c'est moment pour nous faire des revendications. Eh bien, c'est ça que la Chine décide de faire. La Chine attaque le côté qui est difficile pour eux, c'est qui se porte faire. Eh bien, c'est ça. Donc, ça, c'est le petit côté de la Chine. On nous retourne dans les affaires la Russie pour montrer le parallèle qui gagne en conflit. La Russie et conflit la Chine lui-même, elle pas garder derrière, elle pas garder sous côté, et bien c'est devant la piquer pour prendre place que tout le monde attend dit que qui vient pour qui objectif lui saluer hein, qui c'est première puissance mondiale là, et bien cette fois-ci président Chine, et bien il décide d'aller jusqu'au bout et nous connaît que la Chine son dynastie, c'est une question de son royauté. Ça veut dire que on monde comme Trump pas capable venir oser faire bouche dans cause chinois. Genre que ouais que de temps en temps la bête tweeter chaque sac passé dans monde là grand a voyer tweet d'ici dit ça, et bien c'est deux pays dans monde là que les États-Unis peur, et c'est deux pays que les États-Unis gon crête. Les me dit crête là, c'est pas forcément le peur non, mais que l'obligé respecter qu'il gon façon pour parler avec eux, pas qu'à parler avec eux quand tout monde crête avec eux, c'est en parlant de la Russie et la Chine. Évidemment aide là oui, mais il parle pas dans niveau la Chine puis la Russie. On nous rete sous la Russie pour nous poursuivre vers la Chine. Bon petit pause. Eh bien, je dis là, si vous nous tournez dans le dossier la Russie, hein, par rapport à l'administration Poutine hein, qui a fait un test nucléaire dans le laboratoire, côté que nous disons qu'il y a plus que 5 personnes qui mourent, eh bien, nous connaissons que bah, ça a une grosse conséquence. Et nucléaire, son bagage qui est grave. Eh bien, dans le village
qui tout près, eh bien, t'as semblé population en panique et côté que grand pile monde qui est en courir à l'acheter série de gros masses, il y a un paquet monde qui est en prendre paquet médicaments à cause de test ça qui t'a semblé c'est une erreur humaine qui fait, c'est une erreur côté qui me dit nous il y a plus que 5 monde qui mourir. Donc Vladimir Poutine nous connaît objectif là, eh bien, il y a un missile qu'il a développé là actuellement, eh bien, son missile que lui-même encore lui dit que missile ça, c'est un missile qui est indétectable. Ça veut dire son missile pas des monde qui capable détecter. Même les États-Unis beaucoup de parle et il y a pas en moyen, il y a pas en mesure pour t'a détecter missile ça que soi-disant la Russie a travaillé sur lui. C'est un missile qui a une capacité qui tellement grande capacité pour aller vite. Eh bien, il est capable de faire le tour de la Terre à une vitesse record, à une vitesse extrêmement record. Donc, ça veut dire que de la Russie à les États-Unis, en peu de temps, il est capable de frapper les États-Unis. On dit que la Russie à la Chine, à l'Afrique, eh bien, son question de temps, son question de temps pour le frapper n'importe quel pays. Ça veut dire que la Russie lui-même, eh bien, il comprend que il besoin prend place. Il besoin retourner grand puissance qu'il était déjà hier, hein? Eh bien, c'est ça qu'a travaillé là. Nous connaissons que Rissaio, il est très sophistiqué et il a investi en pile. Et nous connaissons que toute force la Russie, eh bien, il commençait avec général ça, commandant suprême ça, qui c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, chaque petit monde qui fait, depuis dans vente, et yo bon délégation qui a loué famille, qui a loué maman, qui a loué pays parents, qui dit tout ça, et bien il pas levé comme ça, il pas levé comme petit vagabond, il pas levé pour pas Haïti le pays, parce que depuis tout monde en fait, et bien il déjà bon devoir civique envers pays, il déjà doué connait, et bien mais qui ça il va faire pour pays, est-ce que tout monde ça, yo déjà fabriqué pour son docteur, pour son militaire, pour son mécanicien, et bien depuis tout monde en petit, yo déjà baligné, question pour pas que petit vagabond dans rien. Oui, tout côté qui vagabond, mais et Poutine c'est un monde qui est tellement sévère, et bien il parle en jouet, et je dis là, et bien c'est ça qui a passé là. Moi dis nous, et bien missile ça tellement aller vite, il a tellement bon capacité extrême pour affronter ennemi, pour frapper ennemi, et bien ennemi pas même bien chance pour le tawer missile là. Vous comprenez, il n'est pas capable de détecter. Et nous, que je dis là, les États-Unis, beaucoup de parlent. Et bien, lui-même, il parle nous, les États-Unis. Il faut que nous ne comprenions pas. Il faut que nous ne comprenions pas les États-Unis pour petit. Non, les États-Unis, lui-même, beaucoup de parlent. Il a développé série de l'autre gros armes. Je dis là, c'est président Trump. Mais Trump parle à l'autre qui a remplacé. Parce que le système des États-Unis, il n'est pas basé sur le président, il est basé sur un système complet. Inquiétude, moi-même, personnellement, pour la Russie. Est-ce que la Russie est assez fort pour après Trump? Est-ce que système non aussi fort pour si Trump tomber et pour si Vladimir Poutine tomber pour l'autre remplacer même bien les États-Unis qui fait ces problèmes ça nous-mêmes nous gain la caille nous fait toute bagaille basée sur président ça pas de temps fin faire mandat non il pas de temps fin faire route il pas de temps fin faire l'école il pas de temps faire ça terrain pour faire ça veut dire rien pas fait tandis que avec des grandes puissances comme ça et bien président va aller l'a tomber le mourir peu importe ça qu'a privé là et bien prochain que ce soit et opposition et eh bien travail qui doit fait pour continuer pousser pays envers vers ton plan et eh bien c'est ça qui doit fait. Nous connaissons actuellement conflit et li entre la Russie puis les États-Unis. Les deux conflits c'est plus une guerre froide parce que pas une guerre qui déclarée officiellement. Dans moment nous arrivons là, on pas quoi monsieur assez fou pour t'a déclarer une guerre jusqu'à ce que moi dis nous et eh bien essai nucléaire ça qui fait là, eh bien, moi je n'ai plusieurs monde qui mourent, eh bien, les États-Unis quand en tout est, ils disent que le Pentagone dit, eh bien, lui-même, il pas quoi ça sont, c'est un erreur, il pas quoi son erreur vraiment, parce que pour y arriver, obtenir ça qu'ils ont besoin, eh bien, faut gagner des essais qui fait, même Jean Wayne dans Corée du Nord, Kim Jong Un a fait un paquet essai nucléaire, eh bien, c'est même bagarre là, la Russie lui-même, faut qu'il continue à avancer pendant que Obama pendant que Donald Trump lui-même. Nous devons féliciter Donald Trump dans ce sens-là. Donald Trump n'est pas un George Bush. Donald Trump n'est pas un George Bush qui a attaqué tout le pays, qui a provoqué tout le pays. Donald Trump, c'est un président plus conservateur, son président qui est plus protecteur, son président lui-même qui est, eh bien, en nous développer États-Unis. Toute grande puissance liée, c'est lui-même en concentrer la caille. Et ça, c'est ça que nous sommes capables de notre président. L'autre président, et prend un exemple, au monde comme Barack Obama, Barack Obama a une puissance dans l'international. Tout pays est remède, mais tandis que, eh bien, Trump lui-même, c'est l'inverse. Mais en dans la caille, il fait un pile bagaille. Il fait un pile bagaille
qui est capable de dire oui, c'est réalisation Barack Obama, mais n'empêche, et bien, crédit ça revient pour lui parce que, et jusqu'à maintenant, Donald Trump n'a pas tenté d'entrer dans la guerre avec personne. Bien qu'il n'est pas assez proche, mais il n'a pas fait. Il a un choix pour le faire, il n'a pas fait. C'est vrai qu'il a attaqué Venezuela, c'est vrai qu'il a attaqué Cuba, verbalement. C'est vrai qu'il a attaqué Iran, toujours verbalement. Mais il n'a pas fait. Il va faire, mais chaque fois qu'il pas entré en guerre, Jean qu'il a dû faire là, eh bien, Afghanistan, eh bien, c'est tout comme ça, richesse ça, retourne dans le pays, c'est l'argent qu'ils ont même encore utilisé pour développer leur tir de beaux armes. Est-ce que non là? Pas oublier que Donald Trump a joué pour la prochaine élection, lui-même rêve, il faut qu'il marque l'histoire, il faut qu'il fasse des mandats. Tout grand président États-Unis, tout grand président, il a toujours fait des mandats. Et bien, Trump lui-même, il jure, il faut qu'il fasse des mandats, ça c'est clair. Et on a poursuivi tout de suite avec la Chine. Et pendant ce temps, pendant la période de la Chine, on n'a pas quitté la Russie parce que son parallèle qu'il a fait pour comprendre, et bien, maintenant, qui ça que le monde là est là, maintenant, qui moment, maintenant, qui ça que les États-Unis, mes gens qui ont paniqué, mes gens qui ont fait, on doit dire, maintenant qui faiblesse que vous pendant que la caille pas bon, pendant que la caille a mis la genou devant les États-Unis qui en faiblesse. Pendant ce temps, nous avons un paquet de dirigeants qui étaient capables de profiter des situations pour nous faire des demandes sérieuses. En nous poursuivre. Ok, comprenez bien, je veux dire là, ça fait 20 ans depuis que Vladimir Poutine prend le pouvoir. Vladimir Poutine comprend que vous-même avez l'argent, vous-même avez l'expert, vous-même avez une population avec vous. Alors, Vladimir Poutine mandé pour expert yo faire des tests. Chaque test qu'il fait, eh bien, son réussite lié pour yo. Pas oublier que Russie yo yo gon mentalité guerrier. Yo gon mentalité yo pa gen droit échouer. Mentalité ça c'est une mentalité eh bien yo rejoint ça fait depuis des années. Comprenez bien. Eh bien test missile ça yo fait, c'est un test missile que même les États-Unis beaucoup de parle t'est abandonné depuis en 1930 parce que ils ont dit que eh bien test ça était trop grave. Lorsque on teste missile à base de propulsion, ou imaginez un missile qui est capable de traverser le monde en espace de quelques jours, qui est capable de circuler, qui est capable de faire le tour de la Terre, un missile nucléaire, eh bien ça c'est un bagage qui est extrêmement grave. Un missile qui est à base de propulsion nucléaire, eh bien même les États-Unis trouvent que c'est tellement dangereux. On petit minute, on petit seconde, on petit bagaille, on petit erreur, et bien ça capable de causer des millions de pertes. Est-ce qu'on comprend? Un missile à base nucléaire, propulsion, et bien c'est sous lui-même que Vladimir Poutine a travaillé là. Comme moi dis, ça fait 20 ans que lui-même est sous pouvoir, et bien c'est rêvé. Il a besoin capable pour missile ça faire le tour de la Terre et en espace de peu de temps. Et bien c'est ça qu'a travaillé là, que même les États-Unis beaucoup de parlent, et bien ils ont décidé d'abandonner projet ça qui est trop risqué. Qui ça t'avait dit? Ça veut dire que si la Russie réussit missile ça, missile à propulsion à base nucléaire, ça veut dire que ZAM ça a procédé, hein? C'est un ZAM qui est plus grave, c'est un ZAM qui est supérieur aux Américains. Qui est-ce qui a cru ça? Et missile ça encore, j'aimerais dire non, eh bien c'est un missile qui vraiment que pas grand monde qui est capable de détecter. Ça c'est une grosse force Vladimir Poutine toujours a dit son missile qui a difficile pour capable détecter. Donc dans sens ça, les États-Unis en retard, eh bien eux même c'est sûr certain, ils pourraient faire tout possible pour être si capable attraper retard ça rien la caillou. Donc je dis en comprendre bien que monde dans la Bible, c'est un monde qui est extrêmement qui capable de tomber comme ça, c'est un monde qui est capable d'effondrer comme ça à cause et dirigeants qui a fait des tests à droite à gauche. En plus, le monde toujours dit le 12 janvier, eh bien, c'est pas un bagage qui était fait comme ça, c'est pas un tech qui tremblé naturellement. Commandant Hugo Chavez, tu as entendu que les États-Unis, ils ont même une âme, ils ont une capacité pour frapper un côté, pour frapper un petit point, pour frapper un petit île, pour frapper un endroit, eh bien, c'est deux pays qui ont âme ça, c'est la Russie et les États-Unis. Vous comprenez? Ça veut dire que jodi an la, eh bien la Russie prend avance. Qui pas au bout avance, mais qui ont avance, eh bien les États-Unis jusqu'à maintenant, c'est top secret, eh bien yo parlent dans route ça. Donc ça c'est pour Russe,
Nous allons arriver vers la Chine tout de suite pour comprendre l'autre dossier. Eh bien, bagaille grave pour les États-Unis. Grande puissance semble la tomber tout bon. Et je dis, hein, tout le monde a posé question, mais comment nous-mêmes nous faisons ça? Comment nous faisons des informations? Comprenez bien. Je dis, hein, là, eh bien, avec technologie, hein, tout test qui a fait dans le monde, ça, technologie que les États-Unis utilisent, hein, et avec satellite qui gagne dans le monde là, eh bien, la difficile pour un monde, pour un pays, t'as décidé de faire un test nucléaire, eh bien, pour nous pas t'avoir, pour les États-Unis pas t'avoir remarqué, pour nous pas t'avoir reporté. Même si Vladimir Poutine pas t'avoir les bails vérité, eh bien, il y a pas t'en connaît. Et moi, déjà dit non, c'est même genre avec le pays d'Haïti, il y a un paquet de satellites, il y a un paquet de satellites dans toute Amérique là, il y a un paquet de satellites. Non, la caille nous, en deux pays nous. Il y a un paquet de satellites, ça veut dire que, et pas grand bagaille qui a dit que les États-Unis ne connaissent pas. Pas grand bagaille qui a fait que les États-Unis ne connaissent pas. Et même gens, même ça que les États-Unis ont utilisé, eh bien, la Russie lui-même, c'est même bagaille qui fait tout. Je dis là, le monde en danger avec trois grandes puissances, entre autres. Je dis là, nous voyons que Vladimir Poutine tellement voulait aller vite, lui tellement voulait aller vite, que lui font test nucléaire à base de propulsion nucléaire, à base de missiles nucléaires, que il y a 5 personnes qui mourent. Mais probablement il y a plus que 5 personnes qui mourent. Télévision russe n'a pas voulu trop parler de ça. Population, je veux dire là, eh bien, c'est sûr et certain, ils ont un peu là-dedans. On dit que yo subi contamination médicament qu'a bail actuellement en pile gros médicament en pile projet. Donc nous même nous te voulons bon ça parce qu'il est important. Et l'autre bagarre que on doit connaître que les États-Unis, comprenez bien, les États-Unis t'ai décidé abandonner projet ça, projet missile à propulsion nucléaire hein, dans les années 60. Ma excusez moi t'allais en dire dans les années 30, mais son erreur me fait. C'était dans les années 60, les États-Unis t'ai décidé ouais qui bagarre trop risqué, ouais qui est trop monde qui capable mourir si t'as bon erreur humain, eh bien eux même beaucoup de pas yo t'ai décidé abandonner projet ça. Que je dis là aussi les mêmes beaucoup de pas, ils tellement voulaient aller vite, eh bien ils voulaient montrer que eh bien we are back. Nous de retour officiellement dans l'échelle grande puissance là, dans l'échelle surtout militaire, et eh bien la Russie mettait patli, li mettait mel, li mettait pour le montrer que eh bien moi en position sérieux comme une très très grande puissance. Donc ça c'est la Russie, ça c'est ça qui passait dans ces semaines là que nous même on pas connait ou devons pas même lever. Nous devons pas même lever. Est-ce que nous là? On peut suivre.